Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Ce soir, je reçois un jeune auteur, M. Alexis Yamego, à l'état civil, et son nom d'auteur, Clément Zongo. Il vient nous parler de son roman, Moa, le fils de la folle. Monsieur Yamego, bonsoir. Bonsoir, Fouseni Kino. D'abord, vous avez pris un pseudonyme, Clément Zongo, pour être sur la scène médiatique. Oui. Vous êtes chroniqueur à Radio Pulsar. Oui. Vous écrivez également pour le journal d'État Citoyen. C'est ça. Et à l'état civil, vous êtes Alexis Yamego. Mais pourquoi Clément Zongo ? Pour répondre à votre question, Clément Zongo, c'est un nom ou un nom et un prénom chargé de sens pour nous, pour moi, parce que le prénom Clément, c'est le nom, le prénom de papa, et le nom Zongo, c'est le nom de ma maman. Donc c'est la combinaison des noms et prénoms de vos deux parents. C'est ça. Qui ont donné Clément Zongo. Clément Zongo. Ouais. Donc c'est une façon pour moi de les rendre hommage de leur vivant. Et à chaque fois que j'écris et que je signe Clément Zongo, c'est vraiment une fierté pour moi. C'est comme un retour dans leur cœur pour leur dire merci pour tout. Merci papa, merci maman. Mais vous avez aussi très rapidement commencé avec la littérature. Dès juillet 2005, vous recevez le prix du concours de poésie à l'Université de Ouagadougou. Et en 2011, vous vous signalez du côté de la Semaine nationale où vous recevez le premier prix en poésie et deuxième prix en production journalistique au concours Créativité sur les droits humains. Et à la SNC en 2014, vous avez reçu le premier prix en poésie avec votre œuvre Juste un coup de plume. Et donc vous avez commencé par ce qu'on appelle certainement un genre élistique, la poésie. Oui, la poésie qui est un genre assez difficile, sinon assez craint par les élèves ou même ceux qui s'aventurent dans la lecture ou dans l'écriture. Mais je ne sais pas, mais j'ai été fasciné, subjugué dès vraiment mon second cycle par la poésie. Et quand j'ai dit poésie, je pense déjà à Baudelaire qui écrit avec beaucoup de symboles, beaucoup d'images, beaucoup de mystères. Et moi, j'ai toujours aimé aller creuser au-delà des lignes pour voir quelle est la pépite qui dort en fait en dessous de toutes ces phrases. Voilà pourquoi j'ai aimé la poésie et de façon libre, j'écris souvent des phrases. Il arrivait que j'écris sur mes murs, les murs de ma maison, quand j'étais en seconde, première terminale, juste pour pouvoir défouler ou en tout cas exprimer des choses que je ressentais. Une sorte de catharsis, parce que la poésie, c'est vraiment le meilleur moyen, parce que vous dites tout ce que vous voulez, sans forcément que ceux qui vous lisent, en tout cas, perçoivent tout de ce que vous avez dit. Et en 2015, oui, vous laissez la poésie de côté, vous vous attaquez à la nouvelle. C'est ça. Et vous avez reçu, vous avez été lauréat du concours littéraire en écriture de nouvelles et à la philo. C'est ça. Et pour vous, c'est un peu une visite des genres journalistes, en fait des genres littéraires. Tout à fait. En 2016, vous recevez le 5e prix en poésie pour adultes avec votre œuvre Les larmes de la terre et le 6e prix en roman avec votre œuvre La révolte des Bali-Bali. Et en 2018, Moa, le fils de la folle, est l'œuvre lauréate à la SNC et avec le premier prix en roman. Et vous avez été également lauréat. Et troisième prix en poésie avec votre recueil de 20 poèmes pour adultes intitulé « Osons aimer ». Toujours à la SNC 2018, toujours la dernière SNC. À la dernière SNC 2018, je rends grâce au ciel et j'ai remporté deux prix. Le premier prix que vous avez, Moa, le fils de la folle, et le troisième prix en poésie avec l'œuvre que vous avez évoquée tout à l'heure, « Osons aimer, aimer ». Et enfin, en 2018, toujours, en novembre, vous avez reçu le premier prix au concours de rédaction d'articles sur l'amitié Chine-Burkina. Comme oui, quoi, vous n'oubliez pas un peu votre formation d'origine
votre profil de base, qui est le journalisme, puisqu'à l'origine, vous avez été formé au département journalisme communication de l'Université de Ouagadougou. Tout à fait. Nous avons, j'ai fait le département de communication et journalisme. Vous avez été nos aînés d'ailleurs. Et il faut dire que ce cursus a forgé davantage cette volonté ou cette passion pour les lettres. Et moi, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire. Et quand vous ajoutez le volet écriture journalistique, vous avez toute la latitude vraiment d'exprimer les choses avec une certaine fidélité, en y ajoutant même de l'émotion, de sorte à captiver l'attention et l'intérêt du lecteur. Donc c'est ce que, en tout cas, j'ai essayé de faire, et notamment à travers l'article dont vous avez évoqué tout à l'heure, qui a été lancé comme concours par l'ambassade de Chine, la Chine populaire et Sidoya. Et j'ai eu la chance d'avoir le premier prix. Donc vous n'oubliez pas vos premiers amours, qui est le journalisme. Tout à fait. Et vous êtes aussi conseiller culturel de formation. Oui. Oui, l'aspect conseiller des affaires culturelles, c'est vraiment quelque chose qui était en tout cas dans mes cordes, en ce sens que ça faisait partie de mes centres d'intérêt. Oui. Voilà. Donc venons-en à Moua, le fils de la folle, que vous avez publié cette année même aux éditions CEPRODIF. Je rappelle que c'est l'œuvre lauréate de la Semaine nationale de la culture Bobo 2018. Et Moa, le fils de la folle, raconte l'histoire de Moa, un enfant de 5 ans, qui se trouve au dos de sa maman, mais qui voit tout. Malheureusement, sa maman est une malade mentale. Et c'est ça. Par les yeux de cet enfant, le narrateur nous fait voir la misère, la pauvreté, l'indigence que ces personnes malades peuvent vivre dans leur quotidien. Moa, le fils de la folle, c'est d'abord une histoire vraie. Une histoire vraie qui a commencé en 2016. En 2016, c'était au mois de juin, où j'ai fait un tour au marché, c'était au marché de Katria, dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, et j'ai assisté à un attroupement de femmes, et il y avait un enfant qui passait de main en main, entre les femmes. Et l'enfant pleurait, et elles essayaient de calmer l'enfant, de dorloter l'enfant, mais c'était vraiment vainement qu'elles le faisaient. Et quand je me suis approché pour comprendre, j'ai vu que, en fait, c'était l'enfant d'une femme malade mentale. Et l'enfant refusait d'aller chez sa mère. Catégoriquement, il refusait. Et les femmes ont dit qu'ils sont toujours ensemble. D'habitude, ils s'entendent bien. Mais elles ne comprennent pas pourquoi, aujourd'hui, l'enfant refuse d'aller chez sa mère. Et quand j'ai regardé cette image, j'avoue que j'ai failli verser des larmes. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à tous ces enfants déshérités. Et le ciel était vraiment noir, il était vraiment prêt à cracher ses cordes. Et quand je suis rentré, j'ai à peine dormi. J'ai fait une semaine, et c'est à la deuxième semaine que je me suis mis à écrire l'histoire de cet enfant. Cet enfant auquel je n'ai pas pu apporter un soutien ou une aide quelconque, mais je me suis senti redevable. Et je me suis dit, avec ma plume, je pouvais quand même rectifier le tir dans la vie de cet enfant. J'ai essayé de le suivre. Et dans le roman, c'est lui qui parle. C'est lui qui raconte sa vie. Il est le narrateur. Il est le narrateur avec ses mots. Ses déboires. Son vécu. Ses mésaventures. Voilà, ses petites chances passagères. Et tout ça, j'essaie de raconter avec les phrases et les mots de l'enfant. Et pour moi, c'est vraiment une façon d'améliorer ou d'arrondir les angles que cet enfant n'a pas ou n'aura pas dans la vie réelle. Oui, et on le voit, les descriptions sont faites avec beaucoup de précision, avec une certaine exactitude, qu'on a l'impression que moi, c'est Clément Zongo. Oui, ça peut paraître, mais
pu rassurer ou peut-être préciser que, en réalité, moi n'est pas Clément Zongo. Sauf que Clément Zongo a cette capacité ou ce flair ou cette possibilité de se mettre dans la peau des autres. Clément Zongo a un penchant plutôt pour les pauvres, les miséreux, les misérables, ceux qui n'ont pas de force. Moi, j'ai toujours eu ce faible et j'ai vraiment un faible pour les faibles. Et c'est ce qui fait que j'arrive à narrer cette situation avec autant de précision et d'émotion d'ailleurs, parce que le retour que j'ai eu de certains lecteurs, c'est que Clément Zongo est cruel. Oui, tout à fait. Et cette... Je pèse mes mots, je ne vais pas jusqu'à dire qu'il est cruel, mais il a peut-être... cette hargne de vouloir décrire les choses un peu à la manière du journaliste caméra à l'épaule qui suit l'enfant de 5 ans avec sa maman dans les poubelles, qui suit l'enfant de 5 ans avec sa maman dans les rues d'une ville imaginaire, leur monde à eux, qui les suit au marché partout où la folle peut être, peut se trouver. Également ridiculisé. Donc, il y a ce souci du détail, il y a ce souci de la précision. Oui, il y a la précision, mais je vous dirai, sans rentrer dans les détails, que pratiquement à quelques jours de ma dédicace, j'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, cette histoire n'a rien à voir avec Clément Zongo, mais j'ai mon grand-papa, le grand frère de mon papa. Ils ont été des orphelins depuis le bas âge. Ils n'ont jamais connu leurs parents, mais il m'a fait une confidence qui m'a laissé pantois. Et j'ai failli verser des larmes, d'autant plus que lui-même, il a dit qu'il a lu mon œuvre en pleurant. Parce qu'il y a des passages qui ressemblaient exactement et étrangement à ce que eux, ils ont vécu. Il m'a dit que il y a certains passages qui c'était tellement fidèle que même mon papa ne connaissait pas en fait cette partie de l'histoire, de leur vie. Ça m'a... Et donc il y a un peu de mystère, vous avez dit pour le... Et le mystère c'est comment ai-je fait pour écrire Moa le fils de la folle tout en étant vraiment... dans l'ignorance totale de cette histoire et qui se trouve révélée dans mon roman. Oui, puisqu'on est tous quelque part des Moa. On est tous quelque part des Moa. C'est pourquoi j'ai dit d'ailleurs dans ce roman que nous avons tous mal à la tête quelque part. Vous avez dit tout de suite folle, folle. Je vous dirai que je ne vous permets pas. Parce que Moa, dans le livre, ne permet jamais qu'on appelle sa mère folle, même par inadvertance. Parce que il a fini par se convaincre que folle était péjoratif et que folle était utilisée pour faire mal, pour ridiculiser, pour insulter. Et le fils de la folle qui va faire l'école, qui va finir même par devenir le président de la République. Oui. C'est un destin éclectique, c'est un destin particulier. C'est un destin, je dirais, atypique, parce qu'on aurait pu dire que c'était utopique, mais c'est ma façon, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire en sorte que ce Moa, je ne sais pas si l'enfant s'appelait vraiment Moa ou s'il s'appelle Moa, mais en réalité, je ne sais même pas d'où vient Moa, parce que je ne sais pas comment expliquer. Oui, puisqu'il dit dans le livre que sa mère l'appelait tantôt Moa, tantôt Souli. Tantôt Souli, tantôt oui. Haba. Haba, oui. Mais vous allez voir qu'à la fin, Souli va avoir un sens dans sa vie. Oui. Et ça va être tellement intime. Quand sa mère va retrouver la parole, quand sa mère va révéler puisque les choses. Parce que la folle, en réalité, c'est ça. N'était pas une folle. Voilà. Elle avait perdu la parole tout simplement par un choc psychologique. Tout à fait. Et elle retrouvera plus tard l'usage de la parole. Tout à fait. Donc, en réalité, Moa, comme je l'ai dit, dans un des chapitres de ce roman, de la poubelle à la citadelle. C'est possible. Comme l'a dit Barack Obama, yes, we can. Moi, je pense que à travers ce roman, c'est vraiment un message d'espoir que je lance à tous ceux qui pensent qu'ils sont
en position de faiblesse. Parce que celui qui se contente dans cette position se condamne davantage. J'ai l'habitude de dire que quand vous dites que, en fait, la vie est tellement difficile, c'est dur, c'est pas possible pour moi, avec tout ce beau monde, mais je dis, même si c'est sur 1 million de personnes et qu'on veut une personne, il faut toujours se dire que la personne, la seule personne qu'on attend, c'est moi. Oui, et c'est ce que moi. On le voit, Kiyima Zongo, dans votre livre, le doute, la fatalité, le pessimisme, ça n'a pas le droit d'exister. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas dans votre vocabulaire. Oui, ça n'existe pas. Et moi-même, dans la vie, c'est comme ça. Je ne suis pas le plus grand millionnaire, je n'ai même pas des millions. Je ne suis pas le plus riche, matériellement parlant, de ce monde. Mais je suis celui qui se décourage difficilement. Parce que pour moi, la vie, chaque jour que tu réussis à te lever au pied de ton lit, en bonne santé, c'est déjà une chance inouïe. Et quand quelqu'un dit qu'il se décourage parce qu'il ne peut pas, à chaque fois que vous découragez, vous cédez votre place à celui qui est dernier et qui se bouscule et se bat pour prendre votre place. Oui, parlons un peu de vos personnages. Vous avez Moa, oui, le fils de la folle. Vous avez la folle elle-même. Vous avez aussi un certain Gourandi. Oui. Et vous avez une république. Oui. Le Gomboland. Le Gomboland. Il existe ? Le Gomboland n'existe pas. Mais dans la tête de tous ceux qui vont lire ce roman, le Gomboland existe quelque part. Moi, je ne sais pas peut-être où est le Gomboland, mais je puis vous rassurer que chacun doit en tout cas se faire une idée de ce que c'est que le Gomboland. Parce qu'en réalité, le Gomboland ressemble à beaucoup plus nos républiques plus que nous avons. De républiques que nous avons. Voilà. Et quand vous regardez les caractéristiques du Gomboland, vous pouvez partager ces caractéristiques avec votre pays, avec votre environnement, avec d'autres États et pourquoi pas avec le Burkina Faso. Oui, et on le voit, Moa, devenu président, a épuisé les mandats qui lui sont autorisés par la constitution du Gomboland. C'est ça. Et il a préféré partir, oui, malgré le fait que ses partisans avaient souhaité qu'il reste. Tout et quelque fait. Part, il y a une leçon de démocratie que Clément Zongo nous donne ici à travers l'enfant de cette folle, de cette indigente, tout de fait. Cette malade mentale, oui, qui finit par devenir au sommet de l'État, oui, qui finit par se retrouver au sommet, oui, tout court. Au sommet tout court, qui finit par se retrouver au sommet, mais le fils de la folle va rester lucide jusqu'au bout. Justement. Et malheureusement, aujourd'hui, quand vous regardez autour de nous, vous allez voir ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, ils vont toujours clamer et taper, crier sur tous les toits, l'alternance. Mais lorsque vous faites un petit décryptage autour de nous, vous vous rendez compte que, comme par enchantement, ces mêmes opposants arrivent et se préparent ou font tout pour triturer la Constitution, pour rester au pouvoir. On se demande parfois finalement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'était le même homme qui disait qu'il fallait l'alternance, qui arrive et non, qui cherche. Donc on ne le reconnaît plus dans le discours on le qu'il tenait. Plus dans le discours qu'il tenait. Et donc, mais Moa, quand il est arrivé, il a fini ses deux mandats. Et d'ailleurs, c'était des septennats. Et il a ramené les mandats au quinquennat à 5 ans. Et après ces 5 ans, il est parti. Et il est reparti à l'hôpital de psychiatrie. Mmh. Et là, comme le dit le roman, c'est pour soigner maintenant les dignitaires de l'ex-régime. Vous exactement. Voyez. Donc, et on le voit aussi au-delà de l'histoire de Moa. Vous nous faites voir avec votre style propre à vous, Clément Zongo, ces questions de prise en charge de ces malades mentaux que nous avons dans nos pays, oui, on voit un peu toute la politique sociale et sanitaire qui concerne ces catégories de la personne. Tout à fait. Récemment, il y a une étude qui a démontré qu'environ 40% de la population burkinabé, mm-hmm, souffre d'un trouble mental. Oui. Au moins, c'est un trouble mental. C'est ça. Ça veut dire que, en ramenant cela à votre œuvre, oui, nous sommes que tous des fous. Nous sommes tous des fous.
et à des degrés différents. Voilà, c'est pourquoi j'ai toujours, dans ce roman, Mouadi, en réalité, il y a toujours un fou en nous. Mais c'est notre capacité à ne pas agir comme des fous qui font de nous, en fait, des êtres humains. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tout ce qui nous passe par la tête que nous devons mettre en œuvre. Ce n'est pas toutes les pensées qui doivent être mises en pratique. Ce n'est pas tous nos souhaits, nos envies, hein, nos velléités que nous devons réaliser. Il faut que la raison finisse par dompter ces petites folies en fait, qui bouillonnent un peu en nous. Mmh. Et voilà le message que j'ai voulu passer. Mais au-delà des différents, du politique, je dirais que la question même de la malade mentale ou de la maladie mentale, au-delà du fait que nous avons besoin d'infrastructures ou de spécialistes adaptés pour s'occuper de ces gens, j'appelle aussi les hommes à ouvrir leur cœur, à faire en sorte que ces marginaux-là ne soient pas dans la rue, à faire en sorte que nous ne leur jetons pas forcément la pierre en pensant que c'est de leur faute, parce que c'est ce que certains pensent. C'est de leur faute, ils méritent ce qu'il a. Il faut faire très attention, il faut ouvrir son cœur vers ces personnes, parce que très souvent, en réalité, ce n'est pas que on est fou ou on est folle parce qu'on a commis quelque chose. Mais très souvent, c'est la société même qui nous rend fous ou folles. Oui, puisque la mère de Moa a perdu l'usage de la parole justement, suite à un choc psychologique. C'est ça. Oui. Voilà. Donc, c'est pour dire que nous devons vraiment mettre de la mesure en toutes choses dans nos relations et se dire que ça peut arriver à moi aussi. Et dans ce roman, malgré les exagérations, c'est un peu pour vraiment toucher du doigt un problème contemporain qui dérange. Oui, et un problème contemporain qui dérange, et on va parler un peu, Clément Zongo, de votre style d'écriture. Je l'ai dit tantôt, vous avez beaucoup de descriptions avec une certaine approche de la précision et de la concision, mais bien plus encore, vos dialogues donnent du relief à l'histoire qui est racontée, parce que quand on vous lit, quand on rentre dans le roman, on n'a plus envie d'en sortir. Oui, ça, ce retour aussi me revient. Ce retour aussi me revient parce que les gens me disent qu'en réalité, l'auteur les prend par le cou. Lorsque vous commencez Moa, vous ne pouvez pas vous arrêter. Mais comme c'est moi qui ai écrit, ce n'est pas de la publicité, c'est pour dire qu'en réalité, la description, la force de la description, pour quelqu'un qui a lu Germinal de Émile Zola, Germinal, c'est un grand reportage. Voilà. Donc, c'est pourquoi, justement... Parce que Émile Zola, il est oui, un peu un des précurseurs du journalisme. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un peu cette description qui permet quand même de captiver l'intérêt du lecteur au point même de l'emprisonner, en fait, dans l'œuvre, qui fait que certains m'ont dit qu'ils l'ont lu en une journée, du matin au soir. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il y a au bout. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Qu'est-ce qui va se passer avec tous ces rebondissements? Et j'ai fait souffrir le personnage ou les personnages au point qu'on se demande, mais il est sadique celui-là. Et on a envie de souffler pour aller au fond, au bout, en espérant qu'enfin on va souffler. Et finalement, on souffle à la fin. Il y a aussi un peu de poésie dans l'œuvre. Oui, il y a de la poésie dans l'œuvre, notamment lorsque vous allez... au passage où vous avez cette sorte de révolte des fous. La révolte des gueux. La révolte des gueux. Qui nous fait penser à Léon Gontran Damas. Léon Gontran Damas. Le peu. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ou Ozu, qui est un homme mystique, un courteau d'à peine un mètre, qui en bon général de troupe, vraiment pousse toute cette horde de fous et de folles pour aller revendiquer, je dirais entre griffes, leurs droits face à ces premières dames qui viennent pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale pendant que la maman de Moa était enceinte et prête à accoucher. Et d'ailleurs, elle accouche sur le macadam devant ces premières dames qui étaient bardées, qui étaient vraiment entourées de toute la sécurité qu'il fallait dans la climatisation et en plus avec une ambulance en cas de besoin. Et cette ambulance n'a même pas daigné aller sauver cette bonne dame
qui reflétait la thématique de la rencontre internationale. Comme pour dire que nous sommes dans un monde où, en fait, tout ce qu'on dit, que ce soit au niveau politique, oui. C'est pas tout ce qui se réalise. Oui, c'est cette façon de se moquer de la société qui nous fascine dans votre ouvrage. En fait, c'est ça. En réalité, moi, je me moque de la société, entre griffes. En réalité, c'est ça. Je tutoie la société. Je regarde la société du coin de l'œil. J'ose même, en fait, toiser la société. Que ce soit du président de la République, en tout cas à la bonne de la maison, j'essaie de toiser, mais avec tout le respect qu'il faut. Mais l'essentiel est que le message passe. Parce que la poésie, c'est ça aussi. C'est de faire en sorte qu'on dit la vérité, même si ça fait mal, mais en y ajoutant aussi, à travers les images, quelque chose comme ce qu'on peut dire des enrobés, pour que ça soit facile à être avalé. Oui. Donc un peu c'est ça, et je crois qu'il faut prendre Clément Zongo comme ça. Il n'y a rien de mal en ce que je dis, que ce soit à travers mes chroniques de société que je fais ou politique. J'aborde d'ailleurs rarement les questions politiques parce que là ça fâche, parce que les gens sont prêts à se dresser sans chercher à comprendre. Mais quand c'est social, les gens reconnaissent que quand même… Mais est-ce que la meilleure façon, c'est vrai que vous voulez échapper à la critique sociétale, oui. Mais est-ce que la meilleure façon c'est de ne pas s'intéresser aux questions sociétales? Et vous nous faites voir à travers vos œuvres, oui. Votre production journalistique, et vous nous faites voir cette déliquescence de la société du fait des politiques qui n'existent pas, oui. Ou des politiques mal menées, oui. Sur le terrain. Tout à fait. Mal menée. Tout à fait. Finalement, ça fait que la politique, et d'ailleurs, c'est pourquoi d'ailleurs Moa a été très réticent pour aller en politique. Vous avez vu toutes les gymnastiques que son entourage, en commençant par Bobby Kotick, oui. Son journaliste préféré, celui qui s'est battu pour lui, mais même le régime en place, il y a eu des députés qui ont fait défection pour venir demander à Moa. Et même la population de se présenter. La population a dit, Moa, depuis des années, tu as réparé nos têtes, tu nous as soignés. Nous voulons maintenant que tu sois Répares la société. À notre tête. Voilà, Clément Zongo, merci d'être venu partager votre passion de la littérature, mais aussi le contenu de votre ouvrage avec nous, votre roman Moa, le fils de la folle. Au départ, quand je l'avais vu, ça m'a fait penser à un ouvrage de Tahar Ben Jeloun. Oui, Moa le fou, Moa le sage. Moa le fou, Moa le sage. Sauf que là-bas, Moa, lui, il donne des coups à travers des vérités. Exactement. Mais Moa, ici, lui, il reçoit des notre coups. Notre Moa n'est pas donneur de leçons. Lui, il reçoit des coups, mais c'est au lecteur de tirer des leçons de ça. Et je vous remercie beaucoup. Je remercie la RTB qui me donne cette opportunité. Et je remercie tous mes auditeurs de Radio Pulsar, tous les lecteurs de Sidoya, que ce soit au Burkina ou hors du Burkina. Merci pour tout ce que vous faites pour Clément Zongo. Humblement, je touche mon cœur et je vous dis merci beaucoup. Vous pouvez avoir l'œuvre à Mercury ou à la librairie Jeunesse d'Afrique au coût de 5 000 francs. Merci d'être venu partager votre passion de la littérature avec nous, mais aussi le contenu de votre roman « Moi, le fils de la folle » aux éditions Ciprodif. L'ouvrage, le roman est sorti en janvier 2019. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Fousséni. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres numéros. Au revoir.